Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est lundi, le lundi c'est unboxing et aujourd'hui avec la boutique VIP Crostiche. Alors VIP Crostiche c'est principalement de la broderie mais il y a également des articles qui sont consacrés au fil, donc le tricot, le crochet, un peu de couture, voilà. Donc aujourd'hui, ça ne va pas être de la broderie, exceptionnellement. Je voulais vous présenter d'autres articles et ces articles sont... il y a quand même un petit accessoire broderie. mais les autres articles sont pour le tricot ou le crochet. Alors, d'abord, j'ai une boîte comme ceci. Alors, c'est un article que je voulais déjà depuis un moment. Parce que j'ai bien envie d'essayer, voilà. Il n'y a pas de montage, il n'y a rien. C'est juste un bol comme ceci. Donc, en bois. Voilà. Il est super beau en plus. Il est vraiment très beau. Alors, il est vraiment lisse, il n'y a pas d'éclat de bois ni rien. Donc, il est vraiment de très bonne qualité. La couleur, je l'aime beaucoup. Voilà. Alors, ceux qui ne connaissent pas vont se demander ce que c'est. C'est un bol en bois pour les pelotes de laine. Vous allez mettre... Alors, j'ai pris une pelote. Bon, celle-là, elle n'est pas commencée, mais je vais essayer de trouver le bout. Non, ça, c'est pas le bout. Non, c'est l'autre bout, ça. Voilà. Alors, je vais essayer de trouver le bout. C'est le plus compliqué dans les pelotes de laine. Voilà. Je l'ai! Youpi! Alors, on va mettre... Bon, celle-ci, elle est peut-être un peu grosse. Oh non, je pense que ça doit aller. Voilà, je mets ma pelote comme ceci. Alors, vous avez des petits trous ici où vous avez ça. Alors, soit que vous passez votre laine par un des trous. Et du coup, si vous avez des petites pelotes, genre les petites pelotes de coton... Ben, et que vous travaillez avec deux couleurs, par exemple, vous pouvez, voyez, faire passer les deux couleurs. Et sinon, hop. Ça, voilà, ça y est. Voilà, vous voyez, je passe ma laine ici. Donc, je l'ai, elle était là, je l'ai tournée pour qu'elle vienne ici au milieu. Et voilà, il n'y aura plus qu'à tirer. Et votre pelote, elle bouge pas. Voilà. Ça fait un... Oh, ça fait longtemps que j'en voulais un. Et je suis super contente de l'avoir. Donc, voilà. Alors, il existe dans cette couleur-là, dans cette forme-là. Il n'y a que... C'est le seul modèle qu'il y a. Il n'est pas si léger que ça, donc il va être bien stable sur votre plan de travail, sur votre bureau, votre même sur votre canapé, hein, pourquoi pas. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, c'est tout. Donc ça va être ça va vous servir de guide pour votre fil. Et voilà. Alors là, il faudra prendre de toute façon, l'idéal, c'est toujours de prendre la laine au milieu. Alors, peut-être que certaines d'entre vous font aussi des cakes. Les cakes, c'est fait avec la petite machine que l'on mouline. Prenez les pelotes comme ça, ou alors les laines en écheveau, et vous refaites des cakes avec. Vous mettez votre cake dedans, et par le même système, vous faites sortir votre laine ici ou là. Et voilà, et vous vous en servez comme ça. Alors, c'est vrai qu'en cake, moi j'ai la machine pour les faire, mais bon, j'y pense jamais. C'est l'idéal parce qu'en cake, votre
votre laine, votre boule de laine bah, partira beaucoup moins que quand on travaille avec des pelotes comme ça. Voilà, en cake, ça reste bien stable, je trouve. Bon, voilà, je suis contente. Alors, son prix. Il est de 17,81 $, soit 16,21 €. Vous allez peut-être me dire, ouais, c'est un peu cher. Hein. Oui, mais c'est du bois. Hein. C'est pas du tout du plastique. Hein. Là, c'est vraiment du vrai bois. Il n'y a pas du tout de plastique dedans, ni rien. Donc, voilà. Et bon, c'est un petit investissement, mais c'est un objet qui va vous durer tout le temps. Voilà. Donc, voilà. Ensuite. Alors, je sais que j'en ai dit déjà, mais bon. Alors, je vais prendre un petit ciseau, parce qu'il y a un grand scotch. Voilà. C'est de l'eau de crochet. Alors peut-être que la forme, la couleur va vous dire quelque chose pour celles qui connaissent les crochets. Bien sûr, ce ne sont pas les vrais. Mais j'en ai déjà des comme ça et ils vont très bien. Alors, des crochets. Alors, voyez, je vous montre. Voilà. Ça vous dit quelque chose quand vous les voyez comme ça. Donc ça, comme je vous ai dit, ce ne sont pas les vrais. Alors, sur celui-là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, on a du 6. Donc, le 6, c'est bien. Oui, on a du 6. On a du 5,5. Non, ça, c'est le 4. Je me trompe. Ça, c'est bon, attendez, je les pose devant moi, ce sera plus simple. 3,5, 2,5, du 5. Alors, je vais me les mettre dans l'ordre. Voilà. Là. Ici. Comme ça, je peux mieux vous le dire. Voilà. C'est bon. Alors, j'ai du 6, du 5,5, du 5, du 4,5, du 4, du 3,5, du 3 et du 2,5. Voilà. Donc, je vous montre la différence entre le plus gros et le plus petit. Voilà. Mais ils vont vraiment bien. Hein. Ils sont solides et tout. Il n'y a vraiment pas de problème. Et j'ai pris également la série. Alors, il y a encore un scotch. Voilà. La série, mais plus petite. Plus petite. Alors, il était un temps, quand j'étais jeune. Allez, j'arrive. Il ne veut pas s'ouvrir. Voilà. Quand j'étais beaucoup plus jeune. Ça veut pas. Hein. Bon, vous savez quoi? Je le couvre complètement. De toute façon, après, moi, je vais les mettre dans leur dans une pochette. Où je faisais. Alors, ouais, c'est. Je faisais pas la dentelle, la vraie dentelle. Mais je faisais des napperons, genre abat-jour, des choses comme ça. Mais j'ai fait ça il y a. Il y a un bail. Et donc, voilà, j'ai les mêmes, mais dans des tailles beaucoup plus petites, vous voyez. Alors, ici, les mesures. J'ai du 1. Alors, le 1, c'est ben, c'est peut-être celui que j'ai dans la main. Oui, c'est celui que j'ai dans la main. Voilà, vous voyez, ça, c'est du 1. Je vous montre à côté de l'autre, le plus gros de tout à l'heure. Voilà. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Hein. Alors, ceux-là, sont, les embouts sont complètement couleur argentée. Et ici,
C'est argenté là, mais le bout est doré. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Alors, j'ai du 1, du 1,25. Du 1,5, du 1,75, du 2, du 2, du 2, du 2, du 2,25, du 2,5 et du 2,75. Voilà. Donc ça, ou même vous pouvez, quand vous avez des fils vraiment très très fins, voilà. Alors du coup, j'en ai un en double, mais ça, c'est pas très grave. J'ai le 2,5 en double. Le voilà. Ouais. Voilà. Bon, je n'ai que celui-là en double, mais c'est pas grave. Voilà. Alors, c'est le lot de crochet. Alors, Hop, et on les a bien en main hein, pour broder, pour broder, pour crocheter. Alors, ça dépend comment vous tenez votre crochet. Il y a différentes façons. Mais vous l'avez bien. Et avec ce petit truc-là, ça empêche de glisser. Donc, c'est vraiment top. Ils vont vraiment bien. Celui-là, donc la taille 2,5, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5 et 6, ils sont à 6,95 $ pour le lot, soit 6,28 €. Et les petits, les très fins, voilà. Donc, je vous rappelle les tailles de ceux-là. On a du 1 mm, 1,25, 1,5, 1,75, 2, 2,25, 2,5 et 2,75. Voilà. Et ceux-là sont à 5,60 $, soit 5,10 €. Voilà. Et j'aurais pu les mettre dans ma pochette à crochet. Ensuite, donc je vous ai dit, il y a quand même un petit accessoire broderie. Alors j'en ai déjà pris, mais on en a toujours besoin de toute façon. Voilà, c'est des trifils comme ça. Alors celui-là, c'est un lot de 10 trifils. Donc je vous les montre. Voilà, les trifils, comme ça, en plastique, tout simple. Ils sont solides, hein. J'en ai déjà qui sont sur des ouvrages, ça ne bouge pas. Alors, il n'y a pas de numéro dessus, rien, mais à vous de mettre justement, je vais vous montrer après, à mettre des petits stickers, voilà, devant chaque trou. Et c'est tout, voilà. Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 20 trous par plaque de trifil. Alors, on en a une orange, une bleue, une jaune, verte, parme, rose, violet, beige ou café au lait. rose fuchsia et un gris un peu bleu, un gris bleuté. Voilà. Donc avec ça, même si vous en prenez 10 et que vous ne travaillez qu'avec des trifils, quand vous avez des très grands ouvrages, ben là vous avez de quoi faire. Hein. Là vous pouvez faire 200 couleurs hein, avec ce lot-là. Donc un bon achat ED. Et avec, donc c'était un lot et il y avait les stickers avec. Alors c'est pareil, ces stickers-là, je les aime bien. Ils sont bien clairs, ils tiennent bien. Il n'y a pas de souci. Je les utilise très souvent. Voilà. Alors, on a une première feuille. Avec les numéros 1, 2, 3, 4, 5, etc.
jusqu'au numéro 99. Ensuite, on a des lettres. Voilà. Et ensuite, ce sera les références DMC. Alors, il n'y a pas les références 1, 2, 3 jusqu'au 34, les nouveaux fils. Mais du coup, vous pouvez mettre ça à la place. Voilà. Et petite particularité avec ces stickers, vous voyez, ils sont en couleur. C'est la couleur du fil de, par rapport à la référence. Donc là, par exemple, c'est 335 rouge. Donc, c'est bien un fil rouge que vous aurez. Là, c'est bien un fil jaune, etc. Donc, les stickers sont la couleur des fils que des références DMC. Voilà. Donc, ça va jusqu'au 3866. Et on a un sticker ce B5200, un sticker blanc et un écru. Vous voyez ici. Voilà. Alors, je vais laisser à plat par contre, parce que là, ils étaient pliés. Donc, ce lot, les stickers plus des trifils, c'est au prix de 8,91 $, soit 8,11 €. Alors, dans la même catégorie, sur le lien que je vais vous mettre, il y a des lots plus petits. Il y a des lots avec stickers, sans stickers, voilà. Donc, après, c'est à vous de choisir ce dont vous avez besoin. VIP Crostiche vous offre un code promo, moins 10% sur votre commande et vos futures commandes. Donc, vous gardez ce code, vous le notez sur un petit carnet pour ne pas le perdre. Et vous pourrez vous en servir sur chaque commande. C'est Didith10. Pardon. Donc, Didith avec un D majuscule, le reste en minuscule et le chiffre 10. Je vous l'ai remis à l'écran et moi, de toute façon, je vous remets en barre d'infos le code promo et les liens des articles que je viens de vous présenter. Voilà. Écoutez, j'espère que ces articles vous ont plu. Voilà. Ça change un petit peu, bon, à part les trifils, mais ça change un petit peu de la broderie. De temps en temps, j'aime bien prendre quelque chose d'autre qui va me servir quand même. Hein, parce que, bon, bah, de toute façon, vous savez que je fais du crochet, que je fais du tricot, je fais la broderie. Donc, je prends quand même des articles qui vont me servir. Voilà, mais en tout cas, je suis super contente d'avoir mon bol. Ah oui, depuis que j'en voulais un, je suis vraiment très très contente. Il va aller à côté de mon fauteuil et à chaque fois que je vais tricoter, hop, mettre ma pelote dedans. Oh, excusez-moi, hein. Je vous l'ai dit, il rafraîchit en ce moment, ben, ça y est. En tout cas dans le nord. Allez, je vous laisse. Moi, je remercie beaucoup la boutique VIP Crostiche. Je suis toujours très heureuse de présenter des articles de chez eux. Mais n'hésitez pas à aller voir. Hein. Il y a énormément de choix sur cette boutique. Vraiment en broderie, vous allez avoir de l'estampé, vous allez avoir du point compté. Vous allez avoir... Il y a un petit peu de traditionnel aussi. Il y a plein de choses, n'hésitez pas à aller voir. En tricot, crochet, ben, il y a même des pelotes, donc allez voir aussi. Voilà, allez jeter un œil et passez votre commande si vous en avez envie. Dans ce cas-là, n'oubliez pas d'utiliser le code promo que je viens de vous donner. Allez, j'ai les yeux qui pleurent. Je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.